Imaginons que vous vouliez récupérer le nombre de jours ouvrés de chacun des mois de l'année qui est en cours. Et que vous vouliez récupérer le nombre de jours ouvrés, du coup le nombre de jours qui ne sont pas des week-ends, mais pour des personnes qui ne travaillent pas à temps plein, donc pour des personnes qui travaillent lundi, mardi, jeudi et vendredi, donc pas le mercredi. Ce qui veut dire que bah là, ce qu'on obtient comme résultat, ce qu'on veut obtenir comme résultat, c'est le nombre de lundi, mardi, jeudi et vendredi de chacun des mois de l'année actuelle, janvier, février, mars, avril. Et donc là, on voit que par exemple, en janvier, ben, il y a 18 jours ouvrés qui ne sont pas non plus des mercredis. Et pour février, il n'y en a que 16. Évidemment, ça, on voudrait que ça tienne compte, parce que c'est le principe des jours ouvrés, du calcul des jours ouvrés, que ça tienne compte des jours fériés. Qui sont inclus ici, donc de la liste des jours fériés qui sont calculés ici. Donc, bah, si jamais vous avez à faire ça, bah, l'idée c'est qu'on trouve comment le faire, que je vous montre une méthode pour pouvoir le faire aujourd'hui avec les nouvelles fonctions d'Excel, certaines anciennes, mais aussi des nouvelles fonctions d'Excel et des nouvelles fonctionnalités d'Excel, puisque bah, c'est le challenge 32 du moderne Excel que moi j'ai publié. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire. Vous pouvez le voir ici, on va essayer de le faire en seulement 4 fonctions et 79 caractères. On va sans doute commencer par plus et puis réduire après. Et du coup, d'avoir la version la plus synthétique possible. Et comme ça va être quelque chose de légèrement complexe, alors pas forcément très complexe, hein, il y a des challenges qui ont été beaucoup plus complexes que ça, mais souvent, quand on se doute que ça va être complexe, moi je commence par un let. Donc je commence par une fonction let, la fonction let. Si vous la découvrez aujourd'hui, je vous conseille d'aller voir un peu les challenges d'avant. Mais au cas où, la fonction let, on lui donne des noms de variables et ensuite on fait des calculs pour ces variables. Et à chaque fois que dans la fonction let, on va réutiliser le nom, ça va refaire le calcul. Ou en tout cas, ça va redonner le résultat du calcul, ce qui va nous simplifier la vie à fond. Donc, par exemple, là, je vais lui appeler, je vais créer date. Une fonction, une variable que je vais appeler date. Je vais dire que date, c'est égal à. Alors, je commence très simple. Hein, je vais commencer par dire séquence de 12. Si maintenant je dis, je réécris date, vous allez voir que ça va m'écrire exactement ce qu'aurait fait la fonction séquence 12. Ça m'écrit 12 valeurs de 1 à 12 dans l'ordre, donc 1, 2, 3, 4 jusqu'à 12. C'est exactement le même résultat. Que si j'avais fait juste égale séquence 12, j'ai exactement le même résultat. Mais l'avantage en l'ayant fait autrement, en l'ayant fait avec un let, c'est que maintenant j'ai juste à écrire date pour que ça me récupère ces 12 mois dont je pourrais avoir besoin plus tard. Ça, c'est juste une petite intro sur la fonction let. En vrai, ce que nous on va faire, ça va être légèrement différent. Enfin, on va commencer pareil. Simplement, on ne va pas calculer des nombres de 1 à 12, on va calculer des dates en utilisant, on va commencer par ça, la fonction date. Date, l'année, je vais mettre 2023, je vais commencer par ça, hein, je commence par me simplifier la vie. Les mois, bah, c'est exactement ce que j'ai obtenu là. Et le jour, ça va être 1. Donc, je vais obtenir pour l'année 2023 la liste de tous les mois, le premier jour, ça va me donner 12 dates qui vont être le 1er janvier, 1er février, 1er mars. Alors, ce n'est pas dans le bon format pour qu'on comprenne bien, mais n'empêche que c'est exactement ce que je veux. Si je le mets dans le bon format, on a bien 1er janvier, 1er février, 1er mars. Je vais laisser l'autre format parce que c'est plutôt celui dont j'ai besoin, parce que moi je veux calculer une durée en jours et pas une date. Donc ça, c'est parfait. Et là, je pourrais faire, je pourrais du coup calculer facilement le dernier jour du mois. Je vais peut-être remettre le format date encore. Calculer le dernier jour du mois plutôt que le premier en faisant fin mois de chacune de ces dates-là, 0,0. Donc là, ça me donne le dernier jour de chacun de ces mois. Donc soit je fais fin mois, soit je fais. Enfin, il y a d'autres manières de le faire, mais là, je vais le faire comme ça. J'ai pas encore du tout ce que je veux. Moi, j'ai des dates, je voudrais pas des dates. Donc je vais revenir en arrière, mais on a vu un tout petit peu la fonction fin mois. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer le nombre de jours ouvrés
Hop, je vais faire comme ça. Le nombre de jours ouvrés entre chacune de ces dates et fin mois de chacune de ces dates. Pareil. Je fais ça. Et là, du coup, je vais avoir un nombre de jours. Je vais commencer à avoir des nombres de jours. Je n'ai pas encore les bons, parce qu'il me manque plein de trucs. Il me manque deux trucs d'ailleurs, mais j'ai bien un nombre de jours et on voit que ça change un peu. Et on voit que il y en a un peu moins en février, parce que c'est normal, février, c'est un mois plus court. Et du coup, ça fonctionne bien. Et si jamais je mettais 2024 ici, voilà, je n'aurais pas exactement les mêmes nombres, même si évidemment, il n'y a pas des changements drastiques. Donc là, ça fonctionne bien, ça me donne bien le nombre de jours ouvrés, donc des samedis, hors samedi et dimanche, entre chaque début de mois et chaque fin de mois. C'est pas encore parfait parce que moi, ce que je voudrais, c'est ne pas prendre en compte les jours fériés. Et ça, la fonction nombre jours ouvrés, elle permet, avec un troisième argument, de dire bah, tout cela, je les prends pas en compte. Du coup, je commence peut-être à me rapprocher un peu plus de mes résultats. J'ai peut-être pas une grande différence, mais on peut voir que j'avais sans doute, par exemple, en décembre, j'avais 21 jours fériés. Quand je fais ça, 21 jours ouvrés, j'en ai plus que 20. Donc c'est normal. Et puis, à mon avis, en mai, je suis passé de 23 à 21, parce qu'il y a deux lundis qui sont fériés. Donc ça avance. Ça avance, mais il y a quelque chose dans la consigne que j'ai mis et que j'ai pas encore traité, c'est je voudrais calculer le nombre de jours ouvrés qui ne sont pas des lundis, qui ne sont pas des mercredis. Donc ni je voudrais prendre en dehors de mon calcul et les samedis et les dimanches, truc normal, et les lundis et les mercredis, et puis les jours fériés qu'on vient de déjà traiter. Bah ça, je vais pas pouvoir le faire avec la fonction nombre jours ouvrés. Je vais devoir faire nombre jours ouvrés point intel, intl. Ça, du coup, ça va changer un tout petit peu la syntaxe en rajoutant ici, au lieu que mon troisième argument ce soit les jours fériés, j'ai un troisième argument en plus qui se glisse avant mes jours fériés, qui va être quels sont les jours de week-end. Il me propose plein de choses, mais dans ce qu'il me propose, il ne me propose jamais ce dont j'ai besoin. Il va me proposer que des couples de jours ou des jours uniques, donc lundi, mardi, samedi, dimanche, mardi, mercredi. Mais moi, ce que je voudrais, c'est des jours qui ne sont pas consécutifs. Donc 3 jours et non consécutifs. Donc je vais devoir lui écrire à la main, et c'est l'un des grands pouvoirs des fonctions qui s'appellent .intl, donc nombre jours ouvrés intel et série jours ouvrés intel, c'est qu'on peut lui définir des jours ouvrés avec, là si je mets 7,0, donc est-ce que j'en ai 7? J'en ai 7. Si je mets 7,0, je lui dis tout est ouvré. Vous allez voir que ça va me donner le nombre de jours du mois. Donc, nombre de jours du mois moins les jours fériés qui sont ici. Donc là, ça me dit, bah, par exemple, en février, comme il n'y a pas de jours fériés, il y a 28 jours, donc il y a 28 jours fériés. Donc il y a 28 jours ouvrés. Et moi, il va me suffire de remplacer les zéros qui représentent chacun des jours. Donc le premier zéro, c'est lundi, le deuxième zéro, c'est mardi, le dernier, c'est dimanche. Je vais remplacer par des 1 tous ceux que je ne veux pas compter dans ma liste de jours ouvrés, ceux que je veux exclure. Je vais le faire pour samedi et dimanche. Là, on voit qu'on se rapproche de notre résultat d'avant. Et je vais le faire aussi pour mercredi. Pour dire, bah, mercredi aussi, c'est non travaillé. Et là, magie, entre guillemets, bien sûr, j'ai tous les bons résultats. Je vois que tout ici est passé en vert, donc j'ai tous les bons résultats. J'ai tous les bons résultats, mais j'ai une fonction de trop et un peu trop de caractère pour le challenge que je voudrais réussir à faire. Donc on va voir maintenant qu'on a ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir simplifier, modifier, changer pour pouvoir avoir moins de caractères et avoir quelque chose de plus précis, de plus concis. Déjà, le premier truc, c'est que ici, date, en vrai, j'aurais pu l'appeler juste D. Ça fonctionne très bien aussi. D, c'est aussi une variable. Du coup, D ou date, ça va produire le même résultat et je vais économiser déjà quelque chose comme 12 caractères. Donc j'en avais 100, j'en ai plus que 88. Donc je réduis. J'en ai encore 9 de trop. J'en ai 9 de trop. Il y a un mini truc qu'on peut faire. Je vais le faire maintenant. C'est juste, sachez que séquence 12 ou ligne 1, 12, ça produit exactement les mêmes résultats. Donc je peux remplacer l'un par l'autre et gagner un résultat, gagner un caractère. Ça, on le fait un peu souvent, on le fait assez souvent dans les challenges. Évidemment, en vrai, séquence 12, ça fonctionne très bien. C'est pour un caractère, mais bon, dans l'idée, c'est toujours marrant de savoir ça. Et du coup, il y a toujours quelque chose qui n'est pas bon.
Alors, d'autant plus que ici, il manque un truc, c'est que j'ai écrit 2023, mais je voudrais que ce soit plutôt l'année d'aujourd'hui. Donc, je repasse à 102 caractères. Ça veut dire que j'avais sans doute 215 caractères tout à l'heure. Parce que mon année, l'année de mon calcul, elle doit être automatique. Ça doit changer à chaque année. Du coup, bah, c'est toujours pas bon. C'est toujours pas bon. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ce que je vais pouvoir faire, c'est que tout ça, toute cette partie-là, en vrai, c'est une manière pas synthétique, pas rentable d'écrire une date, de passer par la fonction date, quand on n'a pas besoin d'autant de détails. Ce que je vais lui dire, c'est juste un, pas un slash, donc je vais, enfin, je mets un slash, mais c'est pas un divisé, c'est juste pour écrire une date, donc je vais essayer de lui écrire par exemple 1, 1, 2023. Si je fais ça, bah, ça va me donner juste pour le 1er janvier, enfin pour le janvier, ça fonctionne. Si je fais. Je pourrais faire avec le 2, etc., mais j'aurais qu'un seul résultat. Et surtout, bah, vous pouvez le voir, si j'enlève ici slash 2023, j'ai quand même le bon résultat. C'est-à-dire que par défaut, il considère que n'importe quelle date dans laquelle, pour laquelle on a omis l'année, bah, on prend l'année en cours et on prend cette date dans l'année en cours. Et du coup, bah, ça va me permettre de faire, de remplacer le 1 qui est derrière le slash, donc le numéro du mois, par juste ligne 1. Exactement sur les mêmes résultats, parce que juste pour que vous le voyez, si j'écris ici 1 ligne et pardon, ligne 1 12, il va me produire tout ce qui ressemble à au premier de chaque mois, donc 1er janvier, 1er février, 1er mars, et que ça va être automatiquement retraduit, recalculé, bien compris, dans une fonction nombre jours ouvrés un tel. Donc voilà comment résoudre ce challenge, comment trouver une solution de 79 caractères à ce challenge pour réussir, ce qui peut être très utile dans plein de cas, notamment RH, bien entendu, à obtenir le nombre de jours travaillés d'une normale, sans les congés, sans les RTT, sans les arrêts maladie, d'une personne pour chacun des mois de l'année en cours. Voilà pour ce challenge. À bientôt pour un prochain challenge.